aujourd'hui nous recevons un colis chez notre partenaire au Speed Drive, voilà. Donc on va déballer ça tout de suite avec vous. Donc aujourd'hui ça concerne du RC Drift, comme d'habitude chez O-Speed. Voilà, donc globalement ils font principalement que du drift. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans le carton? Alors on découvre ici des jeux de pneus. Voilà, du Speedline CG2 Constant Grip en 20 mm. Donc c'est du pneu narrow pour le RWD, c'est des jantes fines. Voilà, donc au lieu de 26, c'est du 20 mm. Ça se monte avec des jantes de chez O-Speed aussi, Speedline, en 20 mm en déport plus 9. Voilà, donc ça c'est pour tester en RWD. On découvre aussi au passage ici les nouvelles jantes de chez Speedline en 8 branches. Voilà, elles sont magnifiques. En chrome, en cuivre. Voilà, ça existe en plusieurs couleurs. Il faut compter une petite quinzaine de dollars le set de 4. Donc vous voyez ici offset 4 et offset 8 mm. Voilà, donc ça va être bien sympa. On va pouvoir installer ça rapidement. Sur nos pneus et puis mettre ça sur la carreau, ça va être bien sympathique. Elles sont très 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 belles. Vous voyez, voilà, l'étoile elle est magnifique avec les petits écrous et tout. Franchement bien sympa. Voilà, on va mettre ça là. Et alors ici on découvre un peu le plus intéressant. Il s'agit de la conversion oxygène pour le Sakura D4, voilà. La conversion oxygène RWD. Vous voyez, donc vous avez châssis carbone inférieur, les deux platines supérieures, vous avez les tours en aluminium, la cellule avant et les bras supérieurs pour le train avant. Voilà, le train avant. Donc on va regarder ça. Franchement, on est pressé d'ouvrir le sachet. Il s'agit de la conversion en noir. Voilà, ici black. Elle existe en noir et en rose, c'est pour l'aluminium. Voilà, donc on ouvre ça. On est pressé de voir ça. Donc vous avez ici au départ votre notice qui est propre, bien expliquée. Voilà, assez simple avec la liste des pièces. Donc vous avez les châssis, la cellule, les bras supérieurs d'amortisseur. Les tours, vous avez une cale qui vient s'intégrer ici et des autres petites cales ici. Et vous avez les axes de bras supérieurs. Voilà. Donc, parfait, c'est très joli. Donc, on commence par la platine carbone noir, magnifique. Voilà, très propre. Rien à dire d'autre. Voilà, on est pressé quand même d'installer ça. Vous avez ici vos cellules avant, voilà, en aluminium. Donc pareil, un très beau travail. Voilà, les sachets sont ici indiqués. Ce ne sont pas numérotés, mais sont indiqués. Donc vous avez des petites vis. On a ici, voilà, des entretoises, encore de la visserie. Donc le kit est complet. Vous avez les axes de bras supérieurs. On a ici les tours oxygène d'amortisseur, donc typique de chez Oxygène, avec le petit chanfrein aluminium, voilà, de la très bonne qualité. Vous avez la même pour l'arrière. Voilà, donc le look est sympa, hein, franchement, magnifique. Ensuite, on a encore de la visserie, des axes, des cales ici pour... on les a pas vus. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Voilà, les A-arms, ils appellent ça. Voilà, ce sont les bras supérieurs d'amortisseur. Donc vous avez les cales ici pour le réglage plus en avant, plus en arrière. Voilà, et on retrouve ici la platine, la double platine supérieure qui se monte comme ça à la verticale. Enfin voilà, dans ce sens-là, pas à plat. Donc les deux parallèles, voilà. Alors, que dire sur ça? Ben, ça a l'air vraiment, vraiment sympa. On est pressé d'installer ça. Vous avez la plaque de stickers oxygène aussi qui va avec. Voilà, donc, la conversion, tout ça, ça va être en assemblage vidéo très prochainement. Voilà, donc merci à O-Speed et à Oxygène pour les pièces qu'on a reçues aujourd'hui. Voilà, donc...
pardon. Donc la suite en vidéo très prochainement, l'assemblage du châssis oxygène pour le Sakura D4 RWD. Voilà, deux roues motrices propulsion. Voilà, donc ceci, les jantes Speedline, les nouvelles jantes Speedline 8 branches, magnifiques. Magnifique, en plusieurs offsets différents, plusieurs couleurs différentes. Et ici, les pneus CG2 RWD, voilà, en jante fine 20 mm. Vous voyez l'épaisseur, je sais pas si on voit très bien. Mais bon, voilà, voilà, on vous montrera ça très prochainement en vidéo, un peu de tout. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatizobi. Au Speed Drive, Team Tetsujin, merci et à bientôt.